déjà d'entrée avec Gomel qui va pouvoir centrer. Le premier centre de cette partie et la première tête, elle était signée Ramal Adgom, elle sera hors cadre. Bougeon qui va récupérer avec Ndiaye. Encore une fois, se bat dans le dos de la défense. Et l'arrêt de Geoffrey Lambé. Énorme situation. Qui a double, triple contre favorable. Ça peut peut-être profiter jusqu'à Berthier là-bas. Sur le côté, la frappe de Berthier, le bel arrêt de Lambé. Et ce ballon pour aller aux Orléans et aux abords peut-être de la surface de réparation. C'est bien joué avec le centre d'Ac. Pas la tête. Et l'ouverture du score. Et on parlait d'intensité, là ils l'ont mis, cette intensité, les Orléanais, et sur ce très bon centre, il me semble, signé Clément Agba, la tête au premier poteau de Grégory Berthier et l'ancien Rémois. C'est un coup du sort pour ce dont permet à Orléans de mener 1-0. Bon, ce ballon de course pour Bekeshi qui passe d'aller hors jeu, Jérémy Bekeshi qui ne trouve pas le cadre. Ça passe juste à côté. Quelle énorme occasion, ce Danaise. Ouais. On va en rester là pour cette première période. 1-0. Nous, on ne sera pas le petit chat noir ce soir. Fleurier qui va rentrer dans la surface. Le centre de Fleurier intéressant. Des épaules. Voilà. C'est une pénurie de buts depuis le début de saison pour ce Nord à domicile. On va quand même suivre ce ballon et que Fortuné, encore une fois. Toujours lui, le centre, un peu à l'image de ce qui s'est passé juste avant. La reprise, Lambé en deux temps. C'est saisi ce ballon. Là, on va revenir au jeu avec un Guillaume Pousse qui s'est un peu calmé derrière ce bon ballon là-bas. Pour Bekeshi. Oh, c'est super bien joué. Qui va remettre. C'est parfaitement joué. Là, on voit une équipe en confiance. Et on voit surtout un Benjamin Golal en confiance. Il est à la conclusion de ce bon mouvement. Et ce ballon incroyable pour le 1-0. Maintenant pas faire avec son 11 type tout au long d'une saison. Surtout que là on rentre sur une période où il fait froid, où il risque d'avoir. Oh non. Oh, le rouge pour Romain Fleurier,